Romain Laudren de Doleuze, vous allez présenter Santa Manza dans le quintet de dimanche à Longchamp. C'est une pouliche vraiment en plein épanouissement en ce moment. Hein. Exactement, elle est encore sur la montante, elle fait des progrès de course en course. Donc on va aller sur le quintet de dimanche à Longchamp. Que pensez-vous des 5 kilos de pénalité? Est-ce que pour vous, elle reste compétitive? Je l'espère. Écoutez, en tout cas, l'autre jour, quand même, elle rendait encore pas mal de terrain à 400 mètres du poteau. Et j'espère qu'avec un parcours peut-être un petit peu plus aux avant-postes, on va peut-être pouvoir compenser cette pénalité. C'est une jument alors qui est assez variable et qui peut se monter plus près. Oui, elle devient très professionnelle au fil de ses courses. Et je pense que l'arrivée au deuxième poteau de Longchamp devrait lui convenir parfaitement. Au niveau de l'état du terrain, est-ce qu'elle y est sensible ou est-ce qu'elle s'adapte à tout autrement? Alors, elle est vraiment une bonne pouliche, elle est assez polyvalente, mais je pense que un terrain bien souple sera son avantage, évidemment. D'accord. Donc vous restez quand même confiant pour l'avoir terminé dans les 5 premiers malgré cette pénalisation, alors? Oui, je pense que la pouliche est encore compétitive, elle est restée en très bel état de forme, c'est pour ça qu'on la représente à 3 semaines. Et on profite de cette forme qu'elle nous montre le matin et j'espère qu'elle confirmera l'après-midi. Et puis sa régularité aussi, on peut dire qu'elle répond tout le temps présente. Oui, vraiment, c'est une chic pouliche. C'est vrai qu'à l'écurie, on n'a pas trop de pression quand on la court parce qu'on sait qu'elle donne toujours le meilleur d'elle-même. Maintenant, elle est devenue très maniable, elle est polyvalente, elle s'est tournée à droite, à gauche, elle a gagné sur le fibre, sur le gazon. Vraiment, c'est... Oui, en ligne droite, c'est vraiment, c'est une chic pouliche, on l'adore.